Et bien salut à tous et bienvenue sur Blockspace épisode 0, techniquement. En fait, on va pas faire un épisode comme on est habitué à le faire, mais on va essayer de checker ce qu'il y a en fait, parce que ça fait giga longtemps que j'ai pas joué à Blockspace. Je me faisais spammer à l'époque pour continuer, et réellement, c'était giga désagréable pour le coup. Et je ne sais plus du tout à quoi ça ressemble. Vraiment, j'ai tout oublié. Je me souviens de cette zone. Je m'en souviens bien parce que j'y ai passé des heures et des heures à farmer. Et j'ai bien envie de checker vite fait s'il y a eu quelques changements, peut-être. Ou quelque chose, quoi que ce soit, je ne sais pas. Peut-être aller checker les nouvelles îles. Donc, il y avait des quêtes, si je me souviens bien, c'est ça. Je sais pas si je pouvais faire le boss niveau 500. Je pouvais, mais est-ce que j'y arriverais? Ah, c'est lui le boss. Ah, c'est vrai que j'étais passé à le farmer lui. Donc j'avais le électro, visiblement. J'étais un Mink aussi, apparemment. Je m'en souviens pas. Stomp. Ok. Ok, ça je m'en souviens. Et j'avais le Gear Secondo. Ok. Pistole. Canon, ok. Rush. Oula. Cette animation. C'est ridicule. Et j'ai le Gear Secondo. Je crois que je l'ai fait déjà. Donc là, ok, jet pistol, jet cannon, ça je m'en souviens. Ça m'a l'air quand même d'avoir un peu changé les animations. Je suis pas sûr de moi. Je crois. Et j'ai rush. Ok, donc ça, cette animation va bien. Celle-là n'a pas de soucis. D'accord. Après, j'avais un trident. Je pouvais lancer, ok. J'avais apparemment un mousquet que j'avais légèrement XP. Je me souviens plus pourquoi je m'en servais. Ah, et j'avais un manteau, c'est vrai que ça m'a augmenté mes stats. Ok, c'est vrai que j'avais le manteau de Doflamingo. Je m'en souvenais plus. Comment ça marchait? Il y avait des stats. J'avais maxé mon fruit du démon. Ça me semble normal. Ok, donc ça c'est allié. Et il y a un shop. Ok. Ça m'a pas l'air très différent. Il n'y a pas de... Ça m'intrigue. Il n'y a pas d'inventaire sur ce jeu. C'est vraiment, tu peux avoir qu'une seule arme. C'est pas... c'est un peu de la merde. C'est un peu nul. Bon, on va essayer d'affronter celui-là. Alors... Ouais, le mousquet, c'est bien ce qu'il me semblait. Je m'en servais pour prendre de la distance, il me semble. Ok, je fais des bons dégâts. Je fais des plutôt bons dégâts. Ça, c'est pas un souci. Hop. Ça commence à revenir. En vrai, le gameplay commence à me revenir un petit peu. Oui, je prends giga cher. Faudra que je remonte mes VV, moi. Je suppose. Je sais pas du tout. Attendez, je suis pas à fond. Je suis pas à fond parce que... J'ai pas activé mon haki. Je sais même plus comment on fait. F, G, R, T, E. Ouh, ça c'est mon acquis de l'observation. C'est vrai, waouh, je viens de m'en souvenir. C'est vrai qu'il fallait le faire giga XP, le acquis de l'observation, etc. Et plus il était OP, plus tu pouvais voir les gens de loin. Et moi je me souviens que du coup il y avait grave les abonnés qui me voyaient au loin. Même quand je me planquais, je me faisais... Ah, c'est ça, donc quand on level up, c'est dit rubber, level up, etc, mastery. Ok, mais oui, je me souviens, il y avait grave les abonnés qui pouvaient me voir de super loin avec leur haki de l'observation, et moi je me cachais dans les nuages pour pas qu'on me trouve. Je m'en souviens, donc regarde, je pouvais sprinter. Ok. Ok. W peut-être pour mon... C, V, B, N. Virgule, G, H, J. J. J, c'est pour moi qui de l'armement. Je ne sais pas s'il me rend plus puissant. Ok, donc je peux faire K aussi pour moi qui de l'observation. D'accord, et j'avais que ça. Apparemment oui. Apparemment oui. Ok, je détecte quand même les gens au loin. Ça peut être utile. Et ici, qu'est-ce que... Je vais être niveau combien? Niveau... Ouah, 525, mais tu m'étonnes que j'avais pas envie d'XP. Tu m'étonnes que j'avais la flemme d'XP. Ça devait être sacrément long rien que pour passer d'île en île. Hop. C'est vrai que j'avais un crew et tout... Mounty est pas si haut, donc je pense que c'est les gens de mon crew qui étaient assez insane. C'est ici, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais pas si haut level. J'étais clairement pas dans les plus hauts levels de mon crew. Ouais, même niveau Mounty, j'en étais bien loin. J'en étais très, très, très loin. Je sais plus à quoi ça servait. Je sens un autre truc, par contre. C'est ici. On m'avait montré. Il me semble que je l'avais pas montré en vidéo. Je sais plus comment. Ah oui, il fallait me mousquer. Voilà. Je sais plus si je l'avais montré en vidéo ça, parce que à l'époque justement c'était un peu mon spot. Je m'en servais pour récupérer plein de flouzes. Mais je crois que je l'avais pas montré justement parce que j'étais en mode j'ai pas envie de me faire voler le spot. Mais là c'est passé. En réalité ça m'a pas fait beaucoup de fric. Hein. Ça
C'était un peu de la merde. C'était un peu nul. Je check vite fait s'il y a des trucs que j'avais jamais vu, mais pour l'instant, le jeu m'a pas l'air super différent de ce dont je me souviens. Après, je ne sais pas. Pour descendre, je sais plus comment je faisais non plus. J'essaie de pas changer mon spawn. Encore une fois, je ne me souviens pas comment on fait de toute façon pour ça. J'essaie de pas changer mon spawn parce que ce serait bien que je continue à spawn ici si jamais un jour je veux reprendre. Foutez-moi la paix. Non, 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 non. Ok, on pouvait stocker des trucs dans l'inventaire ici. C'est un peu... Le jeu est bien sur certains points, mais là je remarque maintenant en reprenant que le jeu fait un peu vieux sur d'autres points. Ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu chelou, genre d'avoir un inventaire comme ça et pas un vrai inventaire, c'est chelou. Pourquoi c'était comme ça? J'avais un sabre légendaire. Pourquoi j'ai un trident du coup? Pourquoi j'ai un trident? Pourquoi j'ai... Ah, c'est vrai que je pouvais en plus... Waouh, ça je m'en souviens. Regardez ça. Je pouvais, hop, mettre le haki sur mon arme. Ça je m'en souviens. Et pourquoi j'avais changé d'arme alors que j'avais une arme légendaire? En plus je crois que c'est l'arme de Shanks qui était super chaude à avoir. Ah mais c'est sûrement parce qu'elle était plus pratique pour combo. Parce que là celle-là il faut attaquer au corps à corps et tout. Ok, je pense que je comprends. Il me semble me souvenir aussi que si tu voulais XP par exemple l'épée, il fallait que t'achèves les mobs avec l'épée. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. J'en souviens désormais. Waouh, c'est vrai que j'XP de ouf ici. Ça fait chelou. Il y a Water 7 Water... Non, c'était la Water 7. J'étais juste jamais allé parce que... trop fort pour moi. Mais ça y était. Ok, je me souviens de cet endroit. Je me souviens très bien d'où on est. Je me souviens aussi que... Il me semble que c'est cette cape-là qu'on pouvait avoir ici. Je me souviens plus exactement. Il y avait un truc dans le genre. Et le électro... L'électro, il est là-bas, il me semble. De souvenir... Je dis peut-être n'importe quoi, mais... Pourquoi ? Mon double saut s'est arrêté. J'ai un nombre de double sauts max. Ouais, c'est ça, l'électro est ici, effectivement, j'avais raison. J'ai passé mes années à chercher le pouvoir d'électricité. Mais tu le sais déjà, est-ce que tu veux le réapprendre ? Enfin, le... Non, 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 non. T'inquiète pas, je gère. J'ai le électro, tout va bien. Tout se passe très bien. C'est vrai que je pouvais sprinter comme ça. Bon, c'est un peu de la merde, mais écoutez, je peux sprinter. Ok, mais à quoi servait tout ce fric et tout ça? Alors, boat dealer, qu'est-ce que tu vends, toi, beau boss? Tu peux vendre un basique. C'est super, c'est assez impressionnant. C'est super, super cool. c'est un peu nul. Et toi, tu vendais... Absolument rien de différent, je ne comprends pas. Les bateaux étaient. Les bateaux ont toujours été comme ça aussi. Je peux tirer avec mon bateau. Donc, je crois que ça n'a pas bougé. On va essayer de trouver une nouvelle île. Si j'en trouve une, parce que je ne sais absolument pas où elles sont. Je sens que c'était des abonnés qui m'aidaient à aller d'île en île parce que je ne savais pas où fallait que j'aille. Je ne souvenais pas non plus qu'il y avait un effet par contre quand tu tirais dans l'eau. Je me souvenais pas de ça. Après, peut-être que c'est juste ma mémoire qui me fait défaut, qui sait. Donc ça, il me semble que c'était une île PVP. Non. Je sais plus. Là, c'est l'île de départ. Ça, c'est Alabasta. Non. 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 Ben, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette île? C'est une île de la marine, visiblement. Alors, c'est peut-être celle-là, l'île de départ, hein. Eh, ça me dit quelque chose. Eh, oui, c'est l'île de départ. Il y avait le gros truc qui était en mode « Ouais, c'est là la première quête, mon gars !» Ok, donc ça, c'est la ville principale. Je m'en souviens. C'est généralement là où les fruits du démon spawnent, si je me souviens bien. Ou pas. Non, c'est les boss qui spawnent ici. C'est les boss. Les fruits du démon, c'était random, je crois. Là-bas, c'est la jungle. Là où il y avait le sabre de Shanks, entre autres. Je m'en souviens. Ok. D'accord. Ah oui! Si, c'est pour ça que je me souvenais du fruit du démon. C'est parce que on pouvait en acheter ici. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je pense que c'était par rapport à la quête de Shanks, il fallait lui parler à un moment. Je me souvenais que c'était les fruits du démon ici parce que... Eh, c'est moi! Parce que... Il y avait le dealer de Bloxfruits. Voilà, qui permettait de t'en vendre. Mais...
Oh, je pourrais acheter le flamme. Je peux largement... Je suis riche. Je suis ultra riche. Je peux acheter le flamme si j'ai envie. Et c'est à peu près tout. Le rubber a l'air d'être plus hype du coup. J'ai l'impression. Après, le flamme permet de voler, je m'en souviens. Mais j'avais pris le rubber justement parce que je me disais, ça se trouve un jour on aura genre le Gear Force. On l'a jamais eu au final, hein, ça a servi à rien. Après, Magma, Bouddha, Quake, String, Phoenix, Rumble, Pow, Gravity. Et ça, je crois qu'à partir de cet endroit-là, j'avais plus d'eau. Katakuri. Ok. Katakuri, tout va bien. Donc ça, c'est Katakuri. Contrôle. Contrôle. Le OPOP. D'accord. Ok, ouais, mais du coup, je ne peux rien acheter parce qu'il n'y a rien de dispo. Pff, 64 balles pour le tuer. Bon, je peux te dire que je vais pas le tuer. Ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est pas... J'ai pas vraiment envie d'acheter n'importe quel fruit. Là, je sais même pas lequel je devrais prendre. Je pense que j'avais économisé genre 2 millions et quelques. Parce qu'à mon avis, un gros fruit, ça devait valoir genre 2 millions. Si vous voulez mon avis. Le boat dealer, balance-moi un bateau. Balance-moi un basique, c'est pas grave. Je claque mon flouze. Mais c'est pas important. Et donc là-bas, c'est Water 7. Là, c'est Alabasta, je m'en souviens. Là, on a Water 7. Il me semble que par là-bas, je crois que c'est ici, on avait Impel Down. Impel Down qui était un endroit de mort. Là-bas, il y a Marineford. C'est vrai que j'XP... Non. Non, c'était pas ce jeu-là où j'XP à Marineford. Je dis n'importe quoi. C'était pas celui-là. C'en était un autre. Impel Down, du coup, c'était celui-là ou... J'arrive pas à me souvenir. J'arrive pas à me souvenir si c'est ce jeu-là ou pas. Waouh, il y a mon logo Kakum Roblox, j'avais pas vu. Mais ouais, du coup, je sais plus du tout où j'XP... Ah non, c'est là Impel Down. C'est ici, c'est ici. Où sont les nouvelles îles? Où est le nouveau contenu? On n'a pas arrêté de me dire qu'il y avait eu plein de nouvelles mises à jour, mais il n'y a rien eu en fait. Il y a eu genre 2 ou 3 nouveaux fruits du démon. Il y a eu... C'est tout? Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? On n'a pas arrêté de me vanter que c'était devenu insane, mais... où est le contenu? Je ne sais pas. Mais non, il n'y avait pas une quête... Il n'y avait pas une carte des îles? Non. Non, c'était peut-être pas ce jeu-là. Il me semblait qu'il y avait une carte qui te montrait toutes les îles et leur level. Peut-être. Je me souviens pas. Bref, Water 7, c'est trop dur pour moi normalement. Mais je veux aller checker. Ok, nous y voilà. Salut, visiblement il y a un gars de la marine ici. Bonjour, excusez-moi. Bienvenue à Water 7. Bienvenue à l'endroit où tu n'as pas le niveau pour XP. Donc là il y a des gens qui se battent. Le gars a un fruit donc il triche. Hein. Même un galet pirate... 125, putain, j'aurais dû XP comme un porc pour arriver jusqu'ici. Et l'île est pas belle du tout. Hein. Le jeu est pas vraiment beau. En fait, le seul truc qui sont cool sur ce jeu, c'est les animations sont plutôt sympas. Le jeu ne lag pas. Pour l'instant. Il me semble qu'il lagait à un moment. Et c'est à peu près tout, en fin de compte. C'est à peu près tout. Oh, je me souviens que j'étais en train d'XP sur ce jeu, sur l'île des hommes-poissons aussi. Je me souviens de ça. C'était relou. Y'a pas Franky? Mais non, parce que les boss, ils prennent 4 ans à respawn. Mais oui. Donc le gars a déjà dû faire Franky. Là, je suppose qu'il fait une ou deux fois une quête normale. Et après, il va re-affronter Franky après. Je pense. Mais du coup, c'est une autre île là-bas. Où est-ce qu'on est supposé aller après? Ah, je suis perdu. Je suis perdu. Oups. Je peux pas faire ça. Nick, t'es mort mais... Non, Nike, t'es mort, excusez-moi. Du coup, je suis perdu. Je suis giga perdu. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je fais. Le jeu m'a l'air de pas avoir changé, en fait. Et ce qui est un peu chaud, c'est que je pensais qu'il aurait giga changé. Et surtout pour un jeu qui est toujours aussi populaire sur Roblox, les animations et les systèmes de jeu m'ont l'air mais tellement en retard par rapport à aujourd'hui. Genre, le fait de pas avoir un inventaire dispo n'importe quand, le fait que les maps soient aussi... dégueulasse. Ça me choque par rapport à aujourd'hui. Ça c'est étonnant. On peut prendre... Ah non, vu que je suis pas marine, je peux pas prendre l'avis de recherche. Je vais me faire attaquer, j'ai vu un gars. Salut. Ah non, c'est un abonné je crois. Allez, au revoir. Allez, bisous. Est-ce qu'il m'a MP? Pas du tout. Je sais pas, je vois juste qu'il m'a demandé un ami. Donc je pense que c'est un abonné. Il est très fort dans la marine visiblement. Mais ok, écoutez, c'était une vidéo.
C'était une vidéo. J'avais envie de te checker vite fait Blockspace, Blockfruit. C'est vrai que ça a changé de nom. Avant c'était Blockspace, maintenant c'est Blockfruit. Parce que j'ai envie de voir ce qui avait changé, mais je trouve pas tellement ce qui a changé. Il y a quelques petits changements quand même. Je crois en remarquer quelques-uns. Genre l'électro, il me semble pas qu'il avait d'icône avant. Mais ça manque un peu de changement, je trouve. Je m'attendais à mieux. Donc pour une vidéo redécouverte, bon, c'est ok, mais je voulais aussi checker pour me dire est-ce que j'ai envie de rejouer à la série, est-ce que j'ai envie de recommencer. Je ne pense pas. Je pense que je vais rester un peu sur Shinobi Life tant que j'ai pas terminé un peu tout ce qui m'intéresse. Et après, je pense que je jouerai à d'autres jeux. Je pense pas retourner sur celui-là. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. S'il y a d'autres jeux One Piece aussi qui sont sortis, parce que je sais qu'on a quand même un petit peu parlé de jeux One Piece. N'hésitez pas à me donner vos suggestions, mais Blockspace, je le sens pas. Je ne le sens pas. J'ai l'impression que ça manque de quelque chose en fait. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des jeux qui vous intéresseraient. Même si celui-là vous intéresserait, mais je ne sais pas. Je ne le sens pas. Je les éclate. Bref, mais sur ce, je vais arrêter de dire n'importe quoi, de déblatérer les mêmes choses. Et je vais vous laisser. Donc sur ce, à plus et à la prochaine. Allez-y!